Bonjour, Damien Brunet, directeur de l'Université populaire Ventoux à Carpentras. Je vous parle aujourd'hui depuis le Naturopter à Sérignan-du-Comtat, qui est une de nos antennes, et qui est aujourd'hui à fond dans la démarche sève. On est rentré là-dedans parce qu'on trouvait qu'il y avait plein d'objectifs sympas à aller chercher, entre autres l'emploi durable pour tous. Et on est parti dans l'idée de le mettre dans toute l'entreprise, en se disant qu'on allait mettre ce projet-là au cœur de toutes nos actions. Et aujourd'hui, c'est en train de marcher. On a découvert avec Sève de grandes possibilités. Partir dans l'idée que tous nos salariés peuvent sortir vers l'emploi durable, c'est pas rien. Aujourd'hui, toutes les équipes sont dans cette démarche. On parle de ces projets-là à nos salariés dès le premier entretien d'embauche jusqu'à leur sortie et même au-delà. On sait qu'il y a un énorme potentiel en travaillant sur ces projets Sève. C'est beaucoup d'investissement. C'est vrai, mais c'est aussi des portes qui s'ouvrent pour l'ensemble de nos salariés en transition. Et ça, c'est pas négligeable. Aujourd'hui, avec Sève, j'ai changé un peu les noms, les appellations de nos services. Et entre autres, je considère aujourd'hui que notre structure est une entreprise apprenante inclusive. Ce sont les mots qui me viennent après plusieurs années de fonctionnement et notamment après un an de fonctionnement de Sève. Car on a un véritable besoin d'inclusion et mettre nos salariés en transition au cœur du projet. Ça, c'est hyper important. Et pour moi, c'est même capital pour les aider à avancer et trouver au-delà d'un simple emploi, des fois des véritables projets de vie. Sève nous a aidé à ça. Il nous aidera encore demain, bien entendu. Puisque quand on rentre dans la démarche, on y rentre pour longtemps. C'est plutôt pour moi du travail à long terme. Et je pense qu'un des deux mots d'ordre, c'est pour avancer, c'est redonner confiance et permettre d'ouvrir des portes.